Jazz, après Laurent, c'est à la jeune femme de donner des nouvelles suite à son agression. Plusieurs jours ont passé depuis l'agression de Jazz et Laurent. Les deux ont suscité beaucoup de questions. En effet, plusieurs pensaient que cette histoire était un coup d'assurance. Mais quelques jours après que cette rumeur ne circule, Laurent a fait taire tout le monde en montrant ses graves blessures. Le jeune homme a été le premier à s'exprimer. Par la suite, c'est sa compagne, Jazz, qui a raconté son récit de cette sombre soirée. Jazz a vu Laurent se faire fracasser. C'était un cauchemar qu'ont vécu Laurent et Jazz. Et encore, le mot reste faible. En effet, le couple s'est fait braquer à son domicile et leur fille âgée de 4 mois a été gazée et Jazz a indiqué, au sujet de cette agression, « Je n'étais vraiment pas bien, je voulais parler avec vous sans fondre en larmes. » Ces personnes qui nous ont fait beaucoup de mal connaissaient notre vie. Ils savaient où nous trouver et à quelle heure via nos réseaux sociaux. Pour savoir où je vivais, ils nous ont certainement suivis. Ce qu'ils nous ont fait, c'est horrible. Avant d'expliquer où elle se trouvait lorsque les malfaiteurs se sont introduits chez eux, il était à peu près 20h30 et j'étais dans mon lit avec Chelsea. Je m'endormais et Laurent était dans le salon. Je l'ai entendu crier fort. Le temps que j'ouvre les yeux, il y avait un homme cagoulé dans ma chambre, devant moi et ma fille. Et, j'ai vu mon mari se faire fracasser. J'étais impuissante, je ne pouvais rien faire. Si je me levais, je mettais ma fille en danger. Je l'avais dans mes bras, je priais pour qu'on ne me la prenne pas. Laurent, le compagnon de Jazz, donne des nouvelles. Comme nous vous l'indiquions, c'est Laurent qui a d'abord donné des nouvelles de sa santé. Le compagnon de Jazz semble digérer lentement la pilule mais il s'est affiché très fatigué et avec une grosse blessure à la jambe. J'ai une très bonne femme qui s'occupe de moi. Je n'ai pas de chance, j'ai deux points qui ont sauté. Mais bon, je n'ai pas eu de fracture. Je n'ai pas eu de plâtre, juste un gros bandage. En tout cas, on est ensemble, merci à tous.